Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfon pour un nouvel épisode. C'est bon, j'ai tout. Ah non, voilà. De Potion Craft. Bonjour. J'ai besoin de potions qui m'aident à mieux manipuler mon arme lors d'un combat. Je vous paierai un supplément pour une potion très forte. Excusez-moi madame, je viendrai ouvrir la boutique après un mois et demi d'absence. Genre à peu près quelque chose comme ça, je crois, en vrai. Non, je sais pas. De la Dext. Prends un bonus de Dext. Ça te chauffe un peu ou pas? Alors j'ai une nouvelle souris, on peut tenter des trucs un peu plus chauds normalement. Hein. Ok, c'est moi qui suis nul. C'est pas la souris. Pas la souris, c'est moi qui suis naze. Allez, c'est vendu. Bon, ça allait vraiment très vite. Voilà longtemps que je n'ai pas eu de sommeil réparateur. Ah, ouais, aussi, aussi, tu me saoules déjà. Un beau relou en fait relouer un autre. C'est un proverbe. Un vrai. Voilà, une bonne crème pour les narines. Ça dégage les nasales, ça permet de mieux dormir. Non, on va se calmer, on va s'arrêter. On va s'arrêter à des niveaux que je qualifierais d'acceptables. Voilà, au-delà, à mon avis, il va falloir de la compétence. J'ai besoin de potions qui améliorent l'endurance. Je vous paierai un supplément si la potion est très forte. L'endu. Je sais pas ça, moi. J'ai pas ça, bro. Je vais te faire une potion de force dans le doute que ce serait ça. Bah, c'est ça. Il est heureux. Oh. Bon, allez, hein. Casse-toi, j'y arrive pas. Ah, le vieux. Le vieux qui vend des champis. Alors ça, de mémoire, on est assez consommateur de ce truc, hein. De mémoire, ça se prend pas mal. Est-ce que je peux voir ma liste? Oui, c'est là. Ah non, j'en ai 68. Oh non, on est large. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air beaucoup trop drôle, je prends tout. Ça, non, il n'y a pas besoin. Ça coûte trop cher, c'est nul. On t'en prendra un parce que t'en as un. Le champi gobelin, je sais pas si je m'en suis déjà servi. Négocie-moi ça. On va parler champignons. On va parler de ce que t'as entre les pieds. Hein. Allez, salut. Salut, grand-père. Je n'arrive pas à dormir. Vous avez une potion pour ça? Ah! Hop là. Hop là. Oh, c'est où déjà? Oh, c'est là. Vous avez des potions de soins, peut-être je vais m'en prendre un flacon, juste pour l'avoir à disposition au cas où. Bah quand on est trop blindé, faut pas se gêner. Faut pas se gêner ma bonne dame, vous avez bien raison. On pourrait même vous en compter une deuxième d'avance, voilà, ça me fait plaisir. Hop. Sinon, les teufs, elles sont cool ces temps-ci. Voilà, bisous bisous. J'ai mangé de la soupe un peu bizarre ce midi et je me sens pas très bien. Ouf. Vous n'avez rien contre les maux de ventre? Pouah, les aventures gastronomiques et moi, c'est fini. Hein. Un truc qui soigne les fesses? Voilà. Oh, mais je vous ai senti arriver. Hein. C'est pour ça que... ouais. Ça sent. Hein. À mon avis, ça doit commencer à couler, monsieur. Au revoir. Pensez à essuyer derrière vous, quand même. Les gens, quelle indignité. Et ben on va pas en faire plus. Alors, c'est vrai que ça fait un certain temps que j'ai pas joué. Oui, si tu veux. C'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est mon livre de quête. De quête. La voix de l'alchimiste. De quête. Attends, il y a plein de trucs qu'on a genre jamais trouvé. Ah oui, parce qu'on en est toujours là. Ok, créer une œuvre noire.
Est-ce que... moi, je veux bien créer une œuvre noire, mais... créer une potion avec 4 effets différents. Recueillir un gros livre d'expérience sur la carte alchimique. Créer une potion de furie. Ah, j'ai toujours pas trouvé la popo de furie. Bon, allez, les gars... Peut-être falloir s'y mettre. Ouais, parce qu'à chaque fois, je sais jamais où elle est. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 ingrédients. Let's go. C'est parti. On va aller se faire ça. Oh, est-ce que c'est pas le moment de se sortir des trucs bizarres? Non, on va faire efficace. Hein. Voilà, ça c'est efficace. Voilà. MB aussi, ce qui est efficace. Voilà. Oh, c'est... Ah, parfait. Merveilleusement efficace. Regardez ça. Ah, mais il m'en faut juste... Ah, il me fallait qu'une une, quoi. C'est ça, le problème. J'ai merdé en faisant une 2. Hein. Oh, j'arrive même à en faire une 3 avec ça. Impressionnant. Voilà. Fais-moi ta popo nulle. Paf. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est genre aller à droite. Genre, est-ce qu'on peut aller à droite? Parfait. Parfait. Exactement ce dont on rêvait. Plouc. Et puis... Ouh, on se prend ça, c'est très bien ça. Allez. Youpi. C'est bon, on a déjà deux effets. Alors, on a deux effets. Oh, ça c'est rigolo ça. Ça nous permettrait de la faire direct hein, si on pouvait se téléporter à travers. Ce serait très drôle. Ça a l'air over drôle ce truc, mais... Oh bah parfait, tiens. Allez hop. J'utilise vraiment les trucs les plus éclatés au plancher pour faire cette popo. Voilà, c'est ça qui me permet d'aller par là. Exactement ce qu'on veut. Parfait. Let's go. Il faut qu'on aille à fond à gauche. Mais pas trop parce que je voudrais pas non plus que ça nous surdit le bousin. Pas qu'on se retrouve embêté à dire ah bah j'ai annihilé les effets de ma potion, youpi, j'ai tout gâché. Voilà. Pour l'instant, on est d'accord pour dire que c'est parti pour être la meilleure potion de tous les temps. Hein. Un poison qui soigne, qui te refroidit et qui te donne des sueurs de... des palpitations de chaleur. Moi, je pense qu'on est loin sur la meilleure popo du monde. Et bien diluée quand même. La bien diluée quand même. Voilà. On a fait 200 XP. Formidable. Je sais pas ce que j'en fous de cette potion. Ouais, bah la potion de furie, le problème c'est que la furie, on l'a jamais trouvée. On l'a jamais trouvé, on sait pas où elle est. Tuc tuc tuc. C'était quoi ça? Je sais même plus ce que c'était. Si je m'en souviens pas, c'est que c'était pas important. Ah, c'est ça son gros livre d'alchimie là? Ça a l'air d'être ça. C'est ça, sa potion de... Non, ça c'est une célérité, je l'ai fait, ça. Ça, j'ai dû le faire. Ah, il y a un truc là, on n'y est pas allé. Ah oui, mais c'est derrière les boum boum, j'ai rien pour y aller, ça m'emmerde. Restons motivés. Ne nous démontons pas.
Parce qu'en plus, il faut pas que je claque n'importe quoi comme ingrédient dedans, puisque l'idée... Ouais. L'idée, c'est de pouvoir en faire plein. Ouais, j'aurais dû en racheter. Parce que même si j'en ai 68, là, je vais en manger je sais pas combien d'un coup. Moi, hein, le téléphone, tout ça. J'ai oublié de le mettre en silencieux. Hop. J'en ai flingué combien là déjà? 4? Ouais, c'est ça, ça va être le quatrième. Au secours! Non, là, ça sert à rien de tirer vers ça. Faudrait aller à gauche tout court. Ah, ou monter, monter, c'est pas déconnant, ça peut se faire, ça. Ça s'entrevoit, ça se. On pourrait même y aller avec ça pour le coup, ouais. Ouais. Je suis assez d'accord, ça m'éloigne un peu du rebord. On va contourner. Hop, je me l'envoie là-dedans. On repart là-dessus. Regardez, hein, c'est beau. Hein. J'aurais voulu le faire exprès. J'aurais pas pu. Alors attends, est-ce que je veux... On a what else aussi On a un truc qui descend bas gauche, je crois... Ouais, c'est toi de toute façon. Donc je vais te claquer toi comme ça. J'ai rien claqué du tout. Va chercher bonheur déjà. Commençons par la base, hop hop hop, on y va, on récupère un petit bouquin, pouf pouf, pouf, voilà. Ça nous emmène dans les cordes, mais on n'est pas loin, donc toi tu vois déjà, hop, t'es trop, faudrait juste que je prenne une cloche-feu base. Voilà. Et à partir de cette cloche-feu base... alors, oui, mais l'idée, c'est de nous permettre de s'aligner. L'alignement cosmique est parfait. Et je suis, en plus, au bout du truc. Oh, c'est du génie, hein. Cette précision. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une potion de bulldog. Ça va ressembler à quoi une potion de bulldog? Un bon gros vase grec, énervé. On va... Mais avec une grosse étiquette, est-ce qu'on peut avoir une grosse étiquette? Gros bulldog. Parfait. Parfait. Ok. Moi j'aurais bien fait la gueule en noir. Ah c'est les yeux? Fais-moi les ses yeux en noir. Ça me va très bien. Donc c'est une potion. Parfaite de furie. J'enregistre et je termine la potion. C'est une victoire. Yes. Recueillir un gros livre d'alchimie, je pense que c'est ça là. Ce truc là. Mais il faudrait que je commence à partir d'une recette. Comment on fait ça déjà? Je crois qu'il faut aller dans le livre, je crois. Non, c'est pas ça. Ici. C'est une potion de quoi ça? C'est une potion de je sais pas, mais c'est un truc avec des ailes. Célérité parfaite. Et donc c'est continuer la concoction à partir d'ici. Quoi? Monsieur Gouret. Termine.
C'était pas la bonne célérité. Ce que je cherche, c'est celui juste avec les ailes. Celui-là. Une lévitation. Continue à partir de là. Exact. C'est ce truc-là. Et là, on a deux grosses poches d'XP, quoi. Et là, il nous faut des cailloux pour passer à travers ça. J'ai quoi comme caillou? J'ai un caillou qui me permet de transpercer à gauche. D'accord. J'ai pas un caillou qui permet de... Voilà, si, c'est ça. J'ai lui, là. Tac. On va bien mâchonner. J'espère que ça vaut le coup, hein. Parce que ça coûte cher, un caillou, hein. 2,40. 2,40, c'est pas mal, quand même, hein. On a lui, là. Allez. On va chercher les cailloux interdits. Hop là. Paf, on est là. Je peux repasser. Toi, tu permettais d'aller où? Ah, à gauche, ok. Au top, d'accord. Mais il faudrait que je redécale un peu. Ah, ça a merdé. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis. Mais au moins, on a notre potion de furie. Je... Recueillir un gros livre d'expérience alchimique. Bah, c'était pas ça. recueillir un très gros livre. Ah, c'était un très gros livre, ok. Bon, putain. Vous auriez pu valider les deux, bande de gros tarbas. Ça doit être ça, un gros livre. Putain, je suis deg. Je pourrais aller chercher à partir d'une potion dite de foudre. De bzit, de choc électrique sur le coude. Hop là. Ok, hein. Ouais, vas-y, finis. Hein. J'en ai même un par ici. Mais est-ce qu'on n'en profiterait pas, voilà, pour aller faire un petit tour par là-bas. Un plus grand décalme. Et voir, voir ce qu'on peut aller se gratouiller aussi. Si on peut apercevoir des choses. Hop là, là direct. Boum, j'ai un grand livre. C'est un grand, ça, ça compte. Oh, il y a un truc ici. Il y a un truc là. Il y a un truc où il part là. On y va. Oh, c'est trop haut. Alors, Sad, c'est un peu trop haut. Mais... Ah. Déjà, viens jusqu'ici. Ok, ok. On n'est pas trop haut. Ça se négocie... On va aller à peu près jusque là. Hop. On va travailler sur la qualité de notre dilution. On avait l'air bien aligné quand même. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est donc? Oh, une potion d'invisibilité. Oh, excellent. Bloup. Ah, une potion d'invisibilité, j'ai envie de lui mettre un truc si stretchy. Bouteille chelou, ouais, ça c'est les bouteilles plus de glace. Ouais, 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 admettons. Non mais réinitialise l'angle, merci. Ok, de la main visible. Ok. Voilà, bien blanc. Ah merde, et du coup c'est un mélange. potion
de spectre de foudre. Parfaite. De spectre de foudre. Terminé la potion. Qu'est-ce que je vais en foutre? Je sais pas. Mais j'ai découvert un nouvel effet. Par contre, du coup, j'ai pas la recette de cette potion. Il va falloir que je la fasse. Ah putain. Oui. Oui. Ok. Moi, je pense qu'on peut gratter la popo comme ça. J'ai envie de la valider maintenant. Voilà, comme ça, on aura fait une belle progression dans cet épisode. On aura découvert moult choses. On aura fait moult XP. Parce que d'ailleurs, à première vue, j'ai bien fait moult XP comme il fallait. Hein. Alors, si j'ai là... Non. C'est insuffisant. Au niveau 5, il y a... J'ai créé une potion d'invisibilité. Bon, ça... je suis déjà dans les potions du futur, quoi. Alors, moi, je veux bien, mais ils sont où tes grands livres à la con? C'est... Parce que moi, j'ai des 1, 2, 3 comme ça, là. J'en ai ramassé, non? Ou c'était un 1, 2? Mais je crois que c'était un comme ça, un 2, 3. C'est des grands boucs que j'ai ramassés. Moi, je sais pas. Oh, je sais pas, je comprends plus. Des champignages, par contre, je suis en train de les dégommer. Genre comme si j'en avais des légions sous la main, mais c'est pas le cas. Hein. Faudrait que je me calme. Faudrait que je vois pour me calmer. Voilà. Petit choc électrique comme ça. Ouh, j'ai peur que cette potion finisse mal. Tac, into. Ah non, c'est pas possible. Ça, ouais, into ça, ouais. On va même se placer un peu comme on a envie, genre... un peu par là. Into. On fait vraiment les potions les plus obscures du monde. Ouais, ça va. Oui, ça va bien se passer comme ça, ouais. On va monter comme ça, ouais. Ouais, c'est parti, hein. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Ok. Est-ce que... Hop. Hyper vitesse. Hyper vitesse ultra activée. Parfait. Alors, j'ai failli cliquer dessus, ouais. C'est bien ce qui a failli se passer. Tac, la lunette, comme ça. L'homme invisible, oui, mais blanc Michael Jackson. Voilà. Elle n'est pas forte cette potion, elle est parfaite. D'invisibilité. Avec des majuscules partout, on adore. Termine cette potion. Formidable. Il faudrait que je pense à rebind les touches parce que c'est bind à l'anglaise. Du coup, c'est chiant. Ah oui, 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 c'est toi qui vends des trucs qu'il faut qu'on achète. Recette du sel du néant. Mais nous, on veut produire de l'œuvre noire. Mais je suppose que. Je pense que j'ai pas trop le choix. Faut que je lui achète ça. Alors, certes. Si tu m'achètes mon stock en plus. Est-ce que c'est une bonne idée de lui vendre mon stock? Je ne sais pas. Alors la foudre électrique, quoi, je vais te la vendre. Enfin... Je suis pas convaincu de son utilité si tu veux. Si je te mets ça, c'est encore négociable. C'est négociable à 2 étoiles. Ça se neg. Là on est sur un 3. Hein. Ah, raté. Peut-être été un peu gourmand.
putain. Ah. Oui, oui, je veux vraiment modifier les conditions. Ah, mais arrête. Cette tête-là... Quoi? Vas-y, ouais, je paye 3002. 1006. Wow. J'ai pris... Mais écoutez, cher monsieur. Ouais, bah, et l'air contrarié. Manger quelque chose d'alvarié, j'ai très mal au ventre, je prends une pollution d'excellente qualité. Pas de problème. On va même en s'en mettre 4 d'avance. Voici bonbon monsieur. Alors ça, j'aime ce genre de négociation. Beaucoup plus calme avec ces gens-là. Allez. J'ai fait des cauchemars, vous aurez une potion qui m'aiderait à m'endormir. Bien sûr, bien sûr. Non, ça c'est la mana. Celle avec des ZZ. Permettez-moi même de vous en faire deux. Hop. Ouais, selon les professions, enfin selon les vraiment les gens, les sujets, les difficultés sont pas les mêmes. On a encore des potions qui aident pour ce qui touche à l'intimité, j'en voudrais bien une. Ah, de 16 que parfaite. Bien sûr. Bien sûr. Hop là. Il va y aller mollo le pêcheur. On va parler champignons. On va parler des champignons, là. Allez, amuse-toi bien, garçon. Tiens, en parlant de champignons, d'ailleurs. Bref. Des lauriers. Laurier, c'est un peu useless, non? Ah, 25, on va quand même s'en remettre. On va s'en remettre une charge. On s'en prend 20. Ces trucs-là, m'en sert pas. J'en ai 30. Ça sert à rien. Des comme ça, j'en ai 44, c'est bon. Des feuilles de gel. Ah oui, jamais vu. On va en prendre, ça a l'air un peu stylé comme truc. Ça, c'est toujours stylé, j'en ai qu'une en réserve. Ça, c'est ultra stylé, on prend tout, terminé. Négocier, ma bonne dame. Ah. Ah, j'aime les sujets de discussion simples. Au revoir. Plein. Oula, ça tousse. Ces derniers temps, je ne suis pas dans mon assiette, je n'arrête pas de tousser et j'ai mal au crâne. Pouvez-vous m'aider à me soigner? La rumeur dit que ce genre de potion fonctionne à merveille avec cet ingrédient fruit de glace. T'as mal au crâne, tu veux te soigner, tu veux des fruits de glace. Tu boiras ça. Voilà. Parce que moi, t'es légende ancestrale de con qui me font partir à droite pour des potions qui sont pas à droite. Allez hop, casse-toi. Alchimiste, avez-vous des potions de soins? Sûr. Voilà. Avec des effets supplémentaires. Non, mais vraiment, le roi de la défense. T'aurais mérité que j'aille t'en faire une juste avec du poison. Pour la régalade. Allez, casse-toi. Parfois, je manque de détermination au cours d'un combat. Vous avez peut-être une potion qui puisse m'aider. Une potion de trouvage de couilles, monsieur? Je suis pas formel, hein. Acheter du sel du néant. Ok. J'ai acheté du sel du néant. Oui. Ah ben je sais comment fabriquer une œuvre noire. D'accord, c'était dans cet onglet là. D'accord, ok. D'accord, donc okay. Je pourrais faire ça. En plus, elle est assez facile à faire. On va se la faire. Donc lui, il veut. Attendez, une potion pour un combat. Détermination, trouver courage, célérité, dextérité, lumière, vision magique parfaite, champignoncy, ghoul, de la lenteur, de la célérité, de furie. Ah, bah, c'est ça qu'on cherche. Voilà. Voilà, mon bon monsieur. C'est exactement ce, oula, ce que... Oula. Vous allez un peu vite, hein, dans... Oui, oui, par les montagnes, casse-toi, tire-toi.
Une potion de mana qui renforce des vertus supplémentaires. Non. Non. Attends, juste une potion de mana, tu m'emmerdes. Ah, elle est où la potion de mana? Elle est là. Qui renferme des trucs supplémentaires. Je mériterais que tu te prennes un coup de choc électrique sur le coude, ça te ferait. Oh, ça te ferait tellement de bien. Ah, je pourrais descendre là pour aller chercher un truc bestial. Allez. Allez, tu sais quoi? Ça me fait plaisir, je te la fais. Je te la fais. Je nous la colle. Elle est où ta potion de mana? Alors ça, c'est avec des ingrédients classiques. Ça me va très bien. On reprend à partir de là. Et ce qu'on veut, voilà, c'est avec du laurier. On se fait une petite descente. Ah, tu sais quoi? On a même, voilà, les petites biloutes. On a de la petite biloute, là. Non scientifique officiel, hein. Petite biloute. Oh, mais c'est parfait, ça. Allez, on se cale un... Attends. La petite biloute... Oh, la petite biloute. Ah, la petite biloute, elle touche les bords. Mais franchement... Il y a un truc. Ouais, mais c'est un coup à la rater. On veut pas lui rater sa popo. On veut lui faire la popo qu'elle mérite. Ouais, vas-y. Il y aura un effet, enfin, ce sera une potion de niveau avec du niveau 1 dedans. Ça se fait aussi. Voilà. Pompe-moi ça. Voilà, elle est un peu chelou ta potion, tu vas voir. Elle est où la madame? On n'est pas au bon endroit. La madame, ta potion chelou. Voilà. C'est ce que tu voulais, hein. Allez. Plus de bonus alchimique, c'est-à-dire plus d'XP régulièrement. On a bouclé un truc de niveau 7. Atteindre le niveau de popularité 9. Putain. Faut qu'on avance un peu, je crois, dans l'histoire. Alors, non, ici, il me faut poison, force, sommeil. On va déjà faire ça, parce que sinon je vais oublier. Poison. Hop. Force. Sommeil. Je sais qu'il y a également ça. Et après, j'ai oublié. Tanking. Ah, et Limars. Limasless. Limasless. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas joué à ce jeu. Quoi? Quoi? Oh, il me fallait une pyrite tellurique. Moi, je peux pas créer de potion de ralentissement. Il faut que j'en fasse une version 2. C'est le piège YouTube, on sera obligé de faire une autre vidéo. Je sais même plus où c'est. C'est où le Nescargo? Oh, c'est là. Ok. Faudra qu'on se fasse une petite dessin comme ça. Tac! Et on ira se la chercher dans un prochain épisode. C'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!